deuxième vidéo de notre série sur l'arpège. Donc dans la première vidéo, je vous ai montré deux motifs. Dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer trois motifs d'arpège. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez acquis les automatismes, comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, c'est vraiment des choses que vous assimilez à vie, c'est des choses que vous ne perdrez pas, et bien vous pourrez créer vos propres motifs d'arpège. C'est-à-dire qu'à partir d'un motif que vous allez apprendre, par exemple celui-là, vous pourrez amener votre patte, jouer d'autres cordes à la place de certaines que je vous ai invité à jouer. Je voulais juste vous dire qu'en assimilant ces motifs d'arpège, vous allez pouvoir développer vos propres motifs. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Arpège numéro 3, je commence avec un exemple, comme d'habitude. Pour cet arpège, on a 4 notes sur un temps. Donc il faut vraiment le travailler très doucement celui-là. 4 notes sur un temps, vous avez vu, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 notes sur un temps. Le pouce va jouer les notes fondamentales, donc soit la corde de La, soit la grosse corde de Mi, donc les cordes 5 et 6. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que sur la démonstration, je me suis un peu trompé parce que j'ai utilisé le pouce pour jouer la corde de Ré, alors qu'en principe, ça doit être l'index. C'est comme vous voulez, soit le pouce joue les cordes de Mi et de La, et vous placez les 3 autres doigts sur les cordes 4, 3, 2, ou alors si le pouce joue la corde de Ré, eh bien vous décalez l'index, le majeur et l'annulaire sur les 3 cordes en dessous. L'index, le majeur, l'annulaire se place sur les cordes 4, 3, 2, les cordes de Ré, Sol, Si, et l'annulaire alternera entre Si et la petite corde de Mi. Je vais prendre un accord de La. Le pouce, il va jouer la corde 5, donc ça va faire corde 5, corde 3, corde 4, corde 2. Donc ça c'est un temps, 1. Sur le temps, on a pareil, corde 5, corde 3, corde 4, et là, corde 1. Si je joue très lentement, en vous disant le numéro des cordes que je joue, ça fait 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1. Et on recommence, en fait c'est ça deux fois. Sauf que la corde 1, on ne va pas la jouer la deuxième fois. Vous avez vu sur le tableau, on n'a qu'un coup sur la corde 1. Donc 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1. On recommence. 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4. Et on peut s'arrêter là. Vous avez un quart de temps. Le temps de changer d'accord finalement. Sur l'exemple, je crois que j'ai joué à chaque fois la corde la plus fine, mais je me suis compliqué un petit peu la tâche. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous, ce que vous devez faire, c'est ça. Si je le joue à vitesse normale, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4. Alors que moi, j'ai fait 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1. J'ai fait deux fois la corde la plus fine, alors que c'est pas obligé. Seigneur,
Cet arpège numéro 4, ce n'est pas le plus facile, mais si vraiment là vous êtes chaud, motivé et tout frais pour apprendre des arpèges, je vous invite à le travailler parce qu'il est beau et il s'adapte à énormément de chants. Il est super complet, super pro. Au niveau du placement des doigts, selon l'accord que vous allez jouer, les doigts vont se positionner différemment. Par exemple, là j'étais sur un accord de Do. Vous prenez les deux plus grosses cordes et le pouce se positionnera sur ces deux plus grosses cordes. Donc, quand je suis sur un accord de Do, le pouce va jouer les cordes de La, la corde de Ré, et les trois doigts, hop, se placent sur les cordes suivantes. Par rapport au motif, là, on ne joue pas la corde la plus fine, mais ça dépend de l'accord qu'on joue. Par exemple, sur l'accord de Do, je respecte le motif, ça va faire. Hop, donc vous jouez simultanément la corde 2 et 5 avec le majeur et le pouce. Après le pouce, on va tout de suite jouer la corde de Ré. L'index, la corde 3. Donc ça fait. C'est la première moitié de notre schéma là. Après on revient sur la corde 5. 5, corde 2, corde 4, corde 3. Donc. Et si par exemple vous avez un accord de Sol, vous allez avec le pouce jouer la grosse corde de Mi et la corde de La. Les trois doigts se placent sur les trois cordes suivantes et l'annulaire alternera avec la corde de petit mi. Par exemple, ça donnera. Donc, lorsque vous jouez simultanément deux cordes, c'est toujours le pouce et le majeur. Retenez ça. À partir du moment où vous avez bossé cet arpège sur les quatre cordes du milieu, comme ce qu'on vient de faire, en plaçant par exemple un accord de Sol, vous pourrez inclure la grosse corde et la petite corde, vous allez voir que vous aurez le réflexe avec les doigts de d'abord jouer avec le pouce et le majeur. C'est tout le temps le pouce et le majeur qui vont jouer les deux notes en simultané, là. Et les autres doigts vont suivre. C'est ça qui est génial avec cet arpège, c'est que peu importe l'accord que vous faites, il faut juste bien viser la basse. Et après, quand vous y pensez avec l'annulaire, je me suis trompé d'ailleurs, voilà. Avec l'annulaire, vous pouvez jouer la corde la plus fine. Arpège numéro 5, d'ailleurs il est très connu cet arpège pour une chanson que vous connaissez sans doute. Voilà. Le pouce va faire des alternances de basse. Si je reprends le premier accord là, j'étais sur un accord de La, donc il va jouer la note fondamentale et le pouce passera une corde en dessous. Donc regardez, je fais la corde de La et après je joue la corde de Ré. La, Ré, et donc l'index, le majeur, l'annulaire se placent sur les trois cordes les plus fines. Et par rapport au pouce, si le pouce commence par jouer la corde de La, ensuite il passera sur la corde de Ré. Lorsque je fais un accord de Mi, le pouce va commencer à jouer sur la corde de Mi, il passera ensuite sur la corde de La. Lorsque vous avez un accord où vous devez jouer uniquement les quatre cordes les plus fines, le pouce reste sur la corde de Ré. Mais parfois, vous pouvez jouer exceptionnellement la corde en dessous. Par exemple, là, ça peut marcher si je fais Ré 1, 2, 3. Vous avez vu? Ça peut marcher. Mais si ça ne marche pas, pour certains motifs, vous restez sur la corde de Ré. Je reviens sur notre accord de La. Donc, on a 1, 2, 3. Quatre.
qui est bien avec cet arpège, c'est que c'est peut-être l'un des plus faciles. Il faut juste pas se planter sur l'alternance de basses, parce que c'est ça qui apporte de l'enrichissement. Si vous jouez toujours la même basse, ça peut faire redondant et pas très riche. Voilà pour la deuxième vidéo, et bien je vous dis à tout de suite pour la troisième et dernière vidéo de la série. Les deux derniers motifs qu'on va voir, ce sera pour des chansons en rythme ternaire. Donc je vous dis à tout de suite.